Large sourire arboré, expression d'un soulagement. Enfin les diplômes en main, couronnement d'un cheminement académique qui s'est étendu sur plusieurs années. Les récipiendaires sortent de l'école doctorale de la Faculté des sciences agronomiques FSA. La cérémonie de remise de diplôme que nous organisons ce jour concerne 28 docteurs ayant soutenu leur doctorat entre le 21 octobre 2014 et le 4 juin 2016. L'école doctorale de la FSA, dotée de 5 filières, a pour mission de former des spécialistes de haut niveau dans les différents domaines relevant des sciences agronomiques. Artisan de la création de la dite école, le professeur Mathurin Nago, alors doyen de la faculté, se retrouve 13 ans plus tard parrain de cette cérémonie. Nous sommes restés quelque peu dans la discrétion jusque-là et les produits issus de cette formation doctorale sont restés inconnus malgré leur qualité. Aujourd'hui, pour la première fois, nous nous retrouvons pour célébrer nos docteurs en sciences agronomiques. Une chose est d'avoir le parchemin, mais l'autre de mettre ses compétences au service de la nation. Nous profitons de cette occasion pour plaider auprès de Madame le ministre Empêché et des recteurs des universités nationales du Bénin notre recrutement dans un bref délai afin de mettre nos différentes compétences au profit du monde universitaire de notre pays. Vous êtes des compétences déjà, c'est le plus important. Et sur ce plan, et vu les nombreuses opportunités que nous avons devant nous par rapport au monde de l'alimentation, on ne doute pas que vous, d'un jour à l'autre, et dans un futur très proche, vous commencez déjà à servir quelque part. Depuis 13 ans, la FSA, au moyen de son école doctorale, se construit une notoriété. Et en se faisant découvrir par le grand public, c'est un label qui sort de l'ombre. Ses ambassadeurs envoient désormais au combat pour solidifier la réputation de l'école.